J'étais déjà aux États-Unis quand Philippe, tu m'as envoyé ces nouvelles. Donc, c'est vrai que quand on l'entend, et Aurore, que j'ai vu quelques. Aurore, qui est là et qui travaille un petit peu dans ce même secteur, mais dans un autre département, elle nous dit que 9 fois sur 10, quand ils envoient ce genre d'inspecteur, c'est un bon signe que la mairie va préempter. Donc, j'ai dit, OK. Donc, bien évidemment, Catherine était au courant, les membres du comité bâtiment étaient au courant, les anciens, etc. On n'a rien dit à l'église. J'avais vraiment besoin de juste remettre ça devant le Seigneur. OK? Ce n'est jamais une sorte de remise en question de la direction des gens engagés. C'est juste comme le roi David, quand il voyait les ennemis s'approchant de Jérusalem, il demandait, il cherchait la face de Dieu. OK, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va directement? Est-ce qu'on va de gauche, de droite? Est-ce qu'on reste ici loué? Qu'est-ce qu'on fait? Quel est notre plan d'action? OK? Parce que tu ne peux pas combattre l'ennemi chaque fois de la même manière. Il faut toujours dépendre du Seigneur pour connaître la stratégie. Ça, c'est vrai aussi dans ta vie personnelle. OK? David, il a fait tomber Goliath avec une fronde. Mais il ne s'est jamais servi de cette même fronde après. Il a dû apprendre d'autres armes et d'autres stratégies. Pareil pour vous et moi. Alléluia. Donc, c'était pendant la conférence de Tennessee, à laquelle j'ai assisté très peu, parce que le week-end dernier, j'étais à Lyon. Pour la Convention nationale des chrétiens témoins dans le monde. Et donc, j'ai dû partir vendredi après la session matinale. En fait, jeudi, c'était la seule journée pleine que j'avais dans la conférence à Houston. Et toute la matinée, je mettais ce sujet devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si vraiment tu as quelque chose à me dire, ben, j'aimerais bien que tu me le dises aujourd'hui. Amen. Maintenant, on ne peut jamais forcer Dieu, mais on peut présenter à Dieu nos demandes. Amen. Et en lui faisant confiance. Donc, est-ce que c'était la réunion de l'après-midi ou du soir? Je ne me souviens même plus. Où il y a eu cette offrande qui était remise au pasteur. C'était le soir? Ok, jeudi soir, il y avait un pasteur qui visitait de Dallas. Et on lui a demandé de présenter l'offrande du soir. Je crois qu'il n'y a eu aucune pensée derrière cette demande. Et puis, mais pendant l'offrande, le Seigneur a parlé au pasteur principal de l'église à Houston, pasteur Randy, en lui disant, tu vas remettre l'intégralité de l'offrande à ce pasteur pour son projet de bâtiment. C'était une offrande d'environ 13 000 dollars. Ils avaient tous les frais de conférence à payer. Et c'était vraiment. Alors, quand je me suis mis à la place, ben, j'ai dit, waouh, ça, c'est la foi. OK, bon, bref. Il a pris ce pas de foi. Il annonce, avant de compter l'offrande, il ne savait pas combien elle était. Mais tout de suite, à la fin de la réception de l'offrande, il prend le micro, il dit, voilà, pendant l'offrande, le Seigneur me parle, mais dit que nous devons semer dans le bâtiment à Dallas, au Texas. Et cet acte de foi a libéré une onction particulière pour les bâtiments. Et après, il s'est enchaîné avec plusieurs paroles de connaissances entre elles. Il y en a eu une qui, pour moi, j'ai dit, je prends. Il a dit, il y a beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs ici, et vous êtes dans la foi pour un bâtiment. Et le Seigneur est en train d'agir maintenant. Il est en train de libérer les bâtiments pour vous. Et là, il commence à donner d'autres paroles plus spécifiques. À un moment donné, je voyais les yeux, il me cherchait. Et puis, tout d'un coup, il me trouve au deuxième rang. Il me dit, et Paris, vous aurez votre bâtiment. Comme ça. Et là,
J'ai dit, pas mal, Seigneur, vraiment pas mal. Waouh, tu es vraiment ouf. On peut dire ça? Non, ça ne se dit pas trop comme ça. Ah ben, j'en sais rien, mais bon, vous comprenez. OK. Et là, j'ai dit, waouh, Seigneur, quand tu agis, mais tu agis bien, gloire à Dieu. Mais, mes amis, vraiment, comme Philippe, il a bien dit, la foi n'est jamais passive. Dieu cherche toujours les collaborateurs dans le miracle. Amen. Et quand on reçoit une parole comme ça, c'est pas une garantie, c'est une invitation. J'aimerais répéter. C'est pas une garantie, c'est une invitation. Dieu nous invite à entrer dans le miracle, à être un participant dans le miracle. Comme vous étiez, comme nous étions tous, quand au mois de janvier, au début de l'année fiscale, je vous ai présenté ce fardeau que nous devons être à la hauteur, nous devons vraiment se présenter nous-mêmes et donner de nos biens. Et vous avez vu, nous avons tous vécu ce miracle depuis janvier jusqu'au début mai, et on a reçu quasiment l'intégralité nécessaire pour avoir l'apport, pour garantir le prêt bancaire. Mes amis, c'était un miracle. Ce qu'on a vu entrer, et puis pendant la même période, les dîmes et les offrandes n'ont pas souffert. C'est ça ce qui est aussi extraordinaire. Dieu a vraiment béni. Et depuis, j'entends parler des gens qui ont eu des promotions, qui ont eu des mutations de travail, les portes s'ouvrent. Gloire à Dieu. Pour d'autres, vous êtes toujours dans une tente d'attente pour le miracle, mais d'autres, vous avez déjà eu la percée. Mais la percée vient. C'est ça le truc. Quand on participe dans le miracle avec Dieu, Dieu, il agit. Nous venons le chanter. C'est une chose de chanter quelque chose qui n'est qu'une théorie, et de chanter quelque chose qui est déjà un vécu. Gloire à Dieu. Et vous savez, j'aimerais juste vraiment que ça soit bien clair. Depuis le jour où nous avons reçu la lettre des propriétaires, c'était pendant le jeûne de Daniel en 2019, lorsque nous avons reçu la lettre des propriétaires en nous proposant d'acheter le bâtiment. Et depuis ce jour-là, le Seigneur m'a dit, tu auras une lutte avec la mairie. Prépare-toi, tu auras une lutte avec la mairie. Et honnêtement, depuis le début, la mairie, silence total. À un moment donné, je commençais à me dire, mais Seigneur, cette parole que tu m'as dit au début, est-ce que j'étais juste parano? Ou est-ce que c'était vraiment une parole de Dieu? Et là, maintenant, j'aimerais vous dire, non, c'était une parole de Dieu. Et j'ai dit, OK, enfin, la bataille. Amen. Et ah, j'ai envie. J'ai envie de cette bataille. Alléluia. Amen. Mes amis, c'est une chose quand tu te prépares pour la guerre, tu t'entraînes et tu te prives de certaines choses et tu grandis et tu développes les capacités en combat. Et le général, il ne dit que non, 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 ce n'est pas encore là, ce n'est pas encore le temps, repose-toi. Et tu dis, mais pourquoi je fais tout cet entraînement? Hello! J'ai un petit frère qui était dans les Marines américains, tu vois, les forces qui sont les plus dures. Et il me dit, mais Robert, il n'y a rien de pire pour un soldat de s'entraîner pendant des années et ne voir jamais le combat. Parce qu'il est né pour le combat. Il est préparé pour le combat. Son destin, c'est le combat. Vous n'avez pas l'air très enthousiasmé, mais je continue. Et mes amis, j'aimerais simplement vous dire, vous n'avez pas signé, quand vous avez accepté Jésus, vous avez signé pour la vie éternelle. Vous avez signé pour le paradis. Vous avez dit, oui, je veux vivre dans le bonheur toute ma vie et jusqu'à l'infini. C'est ça ce que j'achète. J'achète la paix, la joie, l'amour. Wow! L'amour, la joie, viens me trouver. La paix, la tranquillité, viens me trouver, la prospérité, viens me trouver, je suis là, voici mon adresse. Numéro de téléphone, compte bancaire,
Et Dieu dit, bah, il y avait aussi une clause dans ce contrat, mon fils. Ah bon? C'était sur la page 2. Je ne savais pas qu'il y avait page 2. J'ai vu juste page 1. Là, toutes les bonnes promesses. Non, il y a toujours page 2. Dans lequel il y a écrit, tu auras un adversaire qui t'accusera 24 heures sur 24 devant le montrant de grâce. Ah bon? Bon. Qui va chercher à te voler, te détruire, te tuer. Ah bon? Je préfère page 1. On ne peut pas juste rester sur page 1. Pourquoi faut-il accepter page 2? Hello. Il y a la page 2. C'est la puissance de la résurrection de Jésus, c'est sur la page 1. Page 2, c'est les souffrances de Christ. Et les deux pages font partie du même contrat. Hallelujah. Et tu ne peux pas accepter page 1 sans prendre aussi dans ta poche page 2. C'est juste que souvent, c'est difficile de construire une église sur la page 2. Très facile à tirer les foules avec la page 1. Le problème, c'est que tôt ou tard, mes amis, tu dois confronter toutes les provisions et les paramètres sur la page 2. Mais parfois, on n'est pas préparé. Mais cette fois-ci, on est prêt. Parce que depuis un an, j'attendais ce jour. Depuis un an, je m'entraîne pour ce jour, et le jour est arrivé. Amen. Et on ne va pas montrer à Dieu qu'on est des feignants, qu'on est des lâches, on est des peureux, on est tout le reste, tous les cousins. Non, on va montrer à Dieu que nous sommes des enfants fidèles, on ne fait pas partie des 10 espions douteurs, on fait partie de la compagnie de Josué et Caleb, et on va dire « Dieu est capable à nous donner la terre ». Dieu est capable, même si moi je ne le suis pas, même si toi tu ne l'es pas, mais Dieu il est capable. Alléluia. Et peu importe si à 100% des fois, ce gars qui se présente, c'est comme l'ange de mort. 100 fois, quand il passe par la porte, c'est la volonté de la mairie qui s'impose. Moi, je dis, il y a toujours une exception avec Dieu. Il y a toujours le monde, mais Dieu. Mes amis, le mais Dieu fait partie intégralement de la page 2 de notre contrat. Ah, il ne faut jamais oublier la phrase la plus précieuse de toute la Bible, mais Dieu. Et notre Dieu, il aura le dernier mot. C'est notre Dieu qui est le maître. C'est lui qui est le roi des rois ou le maire des maires. Alléluia. Donc, dans cet esprit de victoire, pas un esprit de panique et de peur. Parce que panique et peur n'attirent jamais la faveur divine. Mais dans l'esprit de confiance, dans l'esprit de combat, dans l'esprit de « nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus », nous allons déclarer demain un jour de jeûne et prière. Il y avait un peu moins d'amen, mais bon, je continue. Wouh! Je vous ai eu. OK. Demain, c'est un jour de jeûne et prière. Je ne connais pas le nom de ce monsieur ou si c'est une équipe, j'en sais rien. OK. Mais Dieu le connaît. Dieu connaît son adresse. Vous savez que chaque cœur a un IP. Un IP. IP, ça signifie quoi? Josué. Tu as eu. Il est dans le ciel, Josué. Il est dans les vapes. Oh, je suis fiancé. Non, c'est quoi? Comment ça? En fait, c'est l'adresse de ton ordinateur. OK, quand tu vas sur l'Internet, tu penses que tu peux y aller clandestinement. Internet Protocol, voilà. C'est-à-dire que où va ton ordinateur sur l'Internet, il laisse la trace de son adresse.
C'est pour ça que les hackers te trouvent. OK? Donc, ton cœur a un IP. Où va ton cœur? L'adresse de ton cœur se trouve. Alléluia. Et Dieu connaît l'adresse du cœur de ce monsieur qui va, ou madame qui va nous rendre visite demain. Amen. Il est là, chez lui. Maintenant. Je ne sais pas ce qu'il fait. Peut-être qu'il regarde la télé. Mais nous regardons le cœur. Les anges du ciel sont déjà mobilisés. Déjà mobilisés. Ouh! Le gars n'a aucune idée ce qu'il va trouver demain. Amen. Il pense avoir tout vu. Ah ben non, il n'a pas vu nous. Il n'a pas encore tout vu. Mais il va voir demain. Amen. Il ne va pas rencontrer les hommes. Si. Mais il va rencontrer l'Esprit de Dieu. Il ne va pas peut-être comprendre. Peut-être c'est un chrétien, on ne sait rien. On ne connaît vraiment pas du tout ce gars. C'est peut-être un musulman. Il y en a beaucoup à la mairie de Saint-Denis. Encore une fois, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais Dieu le sait. Dieu le sait. C'est pour ça que demain, j'aimerais vraiment vous demander, ceux qui sont en mesure de prendre ce jour comme un jour de jeûne, je vous encourage de le faire. Je vais le faire moi-même. Comme j'ai dit, la visite, Philippe, rappelle-moi, vers 15h. 15h15 est prévue, l'heure prévue pour la réunion. Est-ce qu'il sera à l'heure? J'en sais rien. On verra demain. Amen. Mais on va se préparer. D'accord? Et j'aimerais vraiment, vraiment vous encourager de vous mettre sur la muraille de la ville, prier, intercéder en faveur. Maintenant, si tu as certaines occupations demain et tu n'es pas en mesure de jeûner, fais-le le mardi, parce qu'ils ont jusqu'au 24. OK, 24, le bâtiment est à nous. Si la mairie ne se présente pas, voilà, on devient propriétaire. Bon, on passe à la signature finale. OK? Mais la banque est pour nous, nos notaires sont pour nous, les propriétaires sont pour nous. Qui d'autre? Voilà, le plus important. Merci. Dieu est pour nous. Maintenant, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Hébreux, chapitre 11, avec le peu de temps qui me reste. J'ai dit Hébreux 11. Ben, gardez le doigt en Hébreux 11, sauf si tu regardes ton téléphone, c'est difficile de mettre le doigt dans ton téléphone. Et trouvez 1 Corinthiens 15. Désolé, Thomas, je ne t'ai pas envoyé les textes ce matin. J'avais tellement de choses dans ma tête. J'ai zappé. 1 Corinthiens 15, et on va lire les versets 54 à 57. Je prêche ce dimanche et les deux prochains. Donc, le thème que le Seigneur m'a mis à cœur est la victoire. La victoire. Ça tombe bien, hein? Il m'a mis ça à cœur au mois de septembre. Je trouve ça trop bien. Ah, j'avais encore une annonce à faire. Zut, merci Saint-Esprit. J'ai failli zapper. Mardi soir, on a la visite d'un pasteur américain, Duncan et Kate Smith, qui sont des collaborateurs avec Jean Arnott de Toronto. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du réveil à Toronto, ils sont les directeurs d'un ministère qui s'appelle Catch the Fire, Attraper le feu. Ils seront avec nous exceptionnellement ce mardi soir. Donc, vous faites un jeûne toute la journée lundi, si vous voulez mardi aussi. Et venez mardi soir, 19h30. C'est vraiment une soirée qu'on a organisée vraiment à la dernière seconde. Mais c'est un ministère de pointe. C'est vraiment un privilège qu'on puisse accueillir quelqu'un de ce genre et de cette hauteur au niveau de l'onction, surtout dans l'esprit de réveil. Qui est vraiment un thème très particulier qui nous travaille énormément dans le cœur. Et désolé que l'annonce vienne si tardivement. Voilà. Si vous pouvez vous libérer, je vous encourage vivement de venir et profiter de ce temps dans la présence du Seigneur mardi à 19h30. Merci beaucoup. Donc, OK. Merci Saint-Esprit, t'es génial. 1 Corinthiens 15, verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Tout le monde dit victoire.
Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce, tout le monde dit grâce, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Wow! Cette parole tombe vraiment, vraiment très, très, très juste. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler de la victoire de la foi. La victoire de la foi. Alors, pour certains, nos textes et la base de ce message sera un peu les bases de la foi chrétienne. OK? Mais parfois, mes amis, c'est bien de boire un bon lait un bon verre de lait. Ça rafraîchit l'âme, ça redonne de la force et de la vigueur, et ça nous permet de juste peut-être accorder un peu mieux les cordes de notre foi, d'être sûr et certain qu'on est sur les bonnes rails. Amen. Pour d'autres qui sont débutants, ça va permettre à eux de se joindre à nous par rapport au combat de la foi et la victoire de la foi. J'aimerais simplement vous dire, il y a toujours un combat. Mais ce n'est pas n'importe quel genre de combat. L'apôtre Paul dit à son fils Timothée, « Fais le bon combat de la foi. » Il y a deux types de combats, le bon et le mauvais. Amen. Par exemple, tu fais une activité samedi soir que peut-être il ne fallait pas en tant que chrétien. Tu rentres très tard, samedi, vous rentrez très tard, vous dormez très tard, et quand le réveil sonne le dimanche matin, tu dis, oh, grâce matinée, grâce. Il y a quand même grâce dans la matinée, donc grâce matinée. Dieu est certainement dans la grâce matinée parce qu'il y a le mot grâce. Tu arrives au culte. Plein au milieu, la moitié du message déjà passé, il reste 15 minutes de culte, au moins tu es là pour la prière finale. Tu dis gloire à Dieu, j'ai fait mes devoirs à Dieu. Et tu ne grandis pas, tu dis mais Seigneur, tu vois, ça c'est le mauvais combat. C'est le combat de rattraper les erreurs. Pas gloire à Dieu, c'est parfois un combat qu'il faut faire. Quand on fait une erreur, il faut rattraper. Amen. Il n'y a pas de souci. Mais le bon combat, c'est le combat là où la victoire est garantie. Et c'est nettement mieux de s'engager dans un bon combat qu'un dans un mauvais combat. Mais le combat, c'est une promesse. Dis à la personne à côté de toi, le combat, c'est une promesse. Okay. Hébreux chapitre 11 et le verset 1 nous dit ceci au sujet de la foi. Parce que la question qu'il faut se poser, c'est quoi la foi? Qu'est-ce que la foi? Donc voilà la réponse. Hébreux 11, verset 1 nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Tu dis, « Waouh, gloire à Dieu, amen, je comprends tout maintenant. » Combien, j'aime bien ça. Tu vois les gars qui disent, « Ouais, je vais vous expliquer la foi. » La foi, selon Hébreux 11, 1, il cite le texte, il dit, « Voilà la foi. » Je dis, « Ah, hein. » Mais pour toi, ça veut dire quoi exactement? Ça dit ce que ça dit. D'accord, je comprends, tu ne comprends pas non plus. Ce que j'adore avec ce texte, c'est que l'écrivain, il donne une définition en quelques mots, mais il prend les 39 versets suivants pour l'expliquer. Tu ne peux pas juste lire Hébreux 11, verset 1, sans lire tout le reste du chapitre et dire « Maintenant, je comprends la foi. » Non, tu ne comprends rien. Tu comprends une théorie, mais tu ne comprends pas la foi. Lisez le reste du chapitre et vous allez voir ce qu'il voulait dire par le verset 1. Et ce n'est pas toujours beau, chapitre 11. Hello! On va lire certes quelques textes dans un instant. Et vous allez voir, il y a du beau, il y a du moche, il faut dire. Alléluia. Mais ça fait partie de notre combat. OK, les amens diminuent de plus en plus.
Ce qui est important pour nous, c'est de distinguer toujours entre l'espérance et la foi. La foi et l'espérance, ce n'est pas la même chose. Quand tu dis « je crois qu'il fera beau demain », surtout à Paris, je ne sais pas si ça provient d'une véritable conviction. Ça, c'est de l'espérance. Comment tu as fait sur ton examen en maths? Oh, je crois que j'ai bien fait. Ah, bon, tu as la conviction ou tu espères que tu as bien fait? Souvent, on mélange les deux mots pour, et à tel point qu'on ne comprend pas maintenant ce qu'on dit avec le mot. Mais la foi, il y a une conviction derrière. Une conviction par rapport à une réalité qui existe, mais qui n'est pas visible. J'aimerais le redire. C'est une conviction d'une réalité qui existe, mais qui n'est pas visible. Vous vous souvenez, après la résurrection de Jésus, Jésus apparaît à ses disciples, mais Thomas, il n'est pas là. Désolé, Thomas, il est sur la plateforme vidéo. Okay, Thomas, il n'était pas là. Et quand il revient, et les disciples lui disaient, « Ah, on a vu Jésus, on a vu Jésus !» Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, « Tant que je ne mets pas le doigt dans ses mains et dans son côte, je ne croirai pas. Laisse-moi voir, or je croirai. » Mais ce n'est pas ça la foi. Ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est de croire sans avoir vu. Mais ce n'est pas sans avoir vu dans le sens que on est dans l'ignorance, on est dans la stupidité. C'est sans voir physiquement. Parce que ce que nous lisons plus tard dans les textes en Hébreux 11, ceux qui n'ont pas reçu la manifestation de la promesse, ils l'ont vu de loin. Ils l'ont vu de loin. C'est-à-dire que dès que Dieu te donne une promesse, cette chose existe. Même si la chose n'est pas encore manifestée, mais la chose existe, réellement existe. Ce n'est pas une idée dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas un plan. Ce n'est pas un dicté qu'il a fait aux anges. Michel, écoute, par rapport à Robert... je réfléchis sur une idée de peut-être... Non, mes amis, ce n'est pas ça. C'est Dieu qui décide, Robert, il a ça. Et je ne sais pas ce qu'il fait avec. Peut-être il y a des étagères au ciel, j'en sais rien. Mais dans mon imagination, je le vois comme ça. Dieu donne une promesse, il crée une chose, il le met sur une étagère. Dans la dimension spirituelle, et il te donne la promesse. Il dit, voilà, c'est à toi, ça. Je vous ai partagé à plusieurs reprises mon témoignage personnel le jour où mon père, je commençais à prendre la photographie, et mon père, il avait une super appareil photo, super appareil photo. Mais il voulait s'acheter nouveau. Il est très gadget comme moi. Donc, il me dit un jour, fiston, écoute, mon appareil photo, je te le donne, mais je l'envoie à la boutique pour qu'il fasse un nettoyage total et voilà. Donc, ça serait prêt dans un mois. J'ai dit, super, j'étais trop fier. Je rentre, je dis à tous mes copains, je dis, waouh, j'ai un nouvel appareil photo. Qu'est-ce qu'ils disent? Il est où? Je dis, non, je ne l'ai pas encore, c'est dans la boutique. Mon père, il le fait nettoyer. Non, tant qu'on ne le voit pas, on ne te croit pas. Je dis, mais attends, quand même. Tu ne vas pas appeler mon père un menteur. Pourquoi mon père me dirait que son appareil est à moi si ce n'est pas la vérité? Mon père, il ne ment pas. Et je me souviens bien, c'était une vraie expérience que j'ai eue. Ce n'est pas une fiction, là. Okay? C'était une vraie expérience et le Saint-Esprit me dit, mais fils, non, pourquoi il est plus facile pour toi de croire ton père naturel et pas ton père spirituel? Je dis, oh... Désolé, je me repens. Voilà, bonne idée, mon fils. Très bien. Alléluia. Mais Dieu n'est pas une espèce de génie dans une bouteille qui simplement il faut frotter, le génie sorte et tu dis, je veux que j'ai plus de cheveux.
Non, ça ne marche pas comme ça. Amen. Dieu est notre Père. Et parfois, il nous donne une promesse, mais il y a un décalage entre le moment où il te donne la promesse et le moment où la promesse se manifeste. Et c'est la période entre le moment où il te donne la promesse et tu vois cette chose qui existe réellement dans le cœur de Dieu, jusqu'au moment où cette chose est manifestée dans le domaine du naturel, ça s'appelle le chemin de la foi. Alléluia, c'est ça la foi. Là où tu es convaincu que ce que tu as reçu de Dieu est vrai et réel, mais invisible. Pour l'instant, invisible à tous les autres, mais toi, tu le vois. C'est ça la foi. Et pour beaucoup de chrétiens, on n'arrive jamais à entrer dans cette notion de foi. La foi est-elle passive ou active? En fait, dans un sens, elle est les deux. Il y a un aspect passif dans la foi. Par exemple, Paul, lorsqu'il écrit à son fils Timothée, je crois que c'est 2 Timothée, il dit, j'ai couru la course, j'ai gardé la foi. Tu vois, la foi dans le sens de la croyance en Dieu. On parle de la foi chrétienne. C'est une forme passive de la foi. Mais 9 fois sur 10, quand le Nouveau Testament parle de la foi, c'est dans un contexte actif. 73% des guérisons mentionnées dans les évangiles, Jésus dit à la personne, ta foi t'a guéri. Presque 3/4 des fois où Jésus opère une guérison ou une délivrance ou un miracle quelconque, il dit, ta foi t'a guéri. Incroyable. Les quelques fois où Jésus ne le dit pas, c'était dans le cas d'un démonisé ou d'un cas d'un mort. OK. Ou d'un sourde. D'accord. Une seule fois, j'ai trouvé où quelqu'un dans sa pleine capacité mentale a reçu une guérison physique de Jésus et Jésus n'a pas dit « ta foi t'a guéri ». Et c'est dans le cas de la belle-mère de l'apôtre Pierre. La seule fois dans tous les évangiles. Incroyable. Est-ce que vous pensez qu'il y a un message dedans? Absolument. La foi est toujours active. La foi est une démonstration de choses qu'on espère. Alléluia, le demi-frère de Jésus, Jacques, il dit dans sa lettre, « Toi, tu me parles de ta foi sans œuvre, mais moi, je te montre ma foi par mes œuvres. » Et ce texte ne veut pas dire que nous gagnons notre salut par les œuvres. Non, le salut n'est pas à gagner. C'est quelque chose, c'est un cadeau à recevoir par la foi. Amen. Mais Jacques, il veut dire tout simplement que juste s'asseoir sur tes arrières en disant « Ouais, j'ai la foi » et tu ne fais rien du tout, tu te trompes. Il y a toujours une action associée à la foi. Si tu as la foi, il va avoir tôt ou tard les œuvres qui correspondent à la foi. Tôt ou tard, la foi a besoin. Mes amis, vous savez, oh, je l'ai dit récemment, il n'y a rien de plus difficile pour moi de faire ce que vous faites actuellement. S'asseoir et écouter. Franchement, il m'arrive un moment où j'ai dit, oh, que le gars se tête parce que j'ai besoin d'agir, moi. Non, mais vraiment, j'ai une capacité très limitée à juste m'asseoir. Alors, vraiment, une salle de torture, c'est les réunions pastorales. On s'assoit et on parle toute la journée. Je dis, mais les gars, c'est pour ça que j'envoie Philippe à la FPF. Si sauve-moi de ces pastorales, Seigneur. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Parce que j'ai besoin d'agir, je suis un homme d'action. Il y a la place pour les gens qui s'assoient et qui discutent. OK. Mais moi... comprenez ce que je veux dire, c'est l'esprit Nike, just do it. Tu vois, c'est à un moment donné, ok, on se tait et on agit.
Hello, amen. Les discuteurs. Amen. Les explicateurs. On aime expliquer en France. Sans fin. Mais à un moment donné, il faut agir. Amen. Alléluia. À la fin du chapitre 11, nous pouvons... j'aime bien ça, verset 32. Alléluia, là ça agit bien. Verset 32, si tu peux l'afficher, Thomas. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait, oui, comme aujourd'hui, pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Wouh! J'aime bien ces derniers. Alléluia. Teignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Wouh! Waouh! Vous ne pouvez pas rester trop tranquille ce matin. OK? Mais là, les gars, ils ont agi. Alléluia! Et vous vous rendez compte quel genre d'agissement? OK? Ce n'était pas par la foi, ils ont acheté des fringues. Oh, par la foi, j'ai acheté de nouvelles baskets. Pasteur, regarde! Les nouvelles baskets! Waouh! Je suis champion! Tu n'es champion de rien, là. Ah, par la foi, ils ont mangé au meilleur restaurant. Quoi? Ah, par la foi, on a regardé le dernier Avengers. Trop cool, Hulk. Alors, ça n'a rien à voir avec la foi. Non, les gars, ils luttaient contre les lions. Hello! Ils faisaient fuir les armées étrangères. Hello! C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont pris un risque. Ils se sont mis en danger. Il y a eu la possibilité, écoutez-moi, il y a eu la possibilité d'échouer. Quand vous négociez tellement la foi pour qu'il n'y ait aucun risque, de perte ou d'échec, je dois te dire que tu n'es plus dans la foi biblique. Quand tu cherches à mitiger le niveau de souffrance ou le niveau de sacrifice personnel, là, je te dis tout de suite, tu n'es plus dans la foi. Parce que la foi implique un sacrifice à titre personnel. Je ne peux pas avoir la foi que vous allez jeûner demain. Amen. Je dois avoir la foi que moi je vais jeûner et Dieu va m'écouter. Amen. Si je bouffe les hamburgers tout au long de la journée demain en disant « Oh Seigneur, j'ai la foi que l'Église va prier. J'ai la foi que les autres vont faire mon travail. » Ça ne marche pas. Amen. Si c'est ton église, si c'est ton église, Dieu t'attend pour demain ou au long de la semaine. Tu choisis, mais le Seigneur t'attend. Amen. Peut-être tu ne peux pas faire un jeûne total, mais fais quelque chose, frères et sœurs. Ne vivons pas avec le regret. Ne vivons pas en disant, Seigneur, si on avait fait juste un petit effort au cours de la semaine, peut-être on aurait pu changer le cours du cœur et changer la décision prise. Tu vois, moi, j'ai décidé, je ne vais pas vivre avec ce genre de regret. Que quand l'heure est sonnée, quand quelqu'un a toqué à la porte, je n'étais pas présent. J'étais en vacances, j'étais trop fatigué, trop occupé. Mes amis, si on est si occupé que de rater un miracle de Dieu, de rater une occasion, une chance dans la vie à participer avec Dieu dans la création d'un miracle, hallelujah, qui pourrait inspirer tout le corps de Christ. Amen. Vous vous rendez compte?
Notre notaire a dit que 50% des transactions dans lesquelles lui, il était impliqué, 50% la mairie prenante à Saint-Denis. Dans des affaires dont lui, il avait une main dedans. 50%. Tu vois, on va regarder ça, on dit, oh non, on est perdu. On n'est pas perdu. Je dis, ah. Plus grand le géant, plus grand la victoire. Plus grand la gloire de notre Dieu. Amen. Oh, mais vous vous rendez compte, oui, c'est un combat, oui, c'est une bataille. Oui, la taille est plus grande que nous. Amen. Mais la question n'y est pas. Parce que si la taille était inférieure à nous, où serait la gloire? Où serait la victoire? Hello? Si on avait des avocats tellement redoutables que la mairie avait peur de nos avocats, on n'a pas besoin de la foi. On n'aurait même pas besoin de Dieu. On s'appuierait simplement sur nos avocats. Mais ce n'est pas le cas. Dans ce cas-là, la mairie est tout-puissante. Au moins, elle le pense. Et on va montrer qu'elle ne l'est pas. Mais il y a toujours la possibilité d'un échec. Toujours une possibilité. Amen. Il y a toujours une possibilité qu'on n'obtiendra pas la promesse donnée. La promesse, on ne doute pas. La promesse est de Dieu. On sait qu'il nous a donné cette adresse. Néanmoins, c'est une bataille. C'est un combat. C'est une guerre. Et le risque est bien réel. Le risque est là que le jour viendra où peut-être on serait obligé de déménager. Mais je refuse de croire que Dieu aura quelque chose de pire de ce que nous avons actuellement. Et que si Dieu décide, comme les enfants, comme les amis de Daniel, face au roi Nebuchadnezzar, le roi Neb, ils ont dit, le roi Neb, il dit, les gars, inclinez-vous devant moi, vous vous sauverez la vie. Eh bien non, on n'a qu'un seul roi. On ne va pas s'incliner. Oh, grand roi! Avec tout le respect qu'on vous doit. Mais on ne va pas s'incliner devant vous. Parce que nous n'avons qu'un seul roi. Et c'est le roi du ciel. Je vais vous jeter dans le feu. Vous pouvez faire avec nous ce que vous voulez. Et peut-être le jour où vous nous jetez dans le feu, peut-être ça serait notre dernier jour. Mais on ne va pas s'incliner devant vous. On n'aura pas peur de ce que vous pouvez nous faire. Parce que notre Dieu est le Dieu du ciel. Et on n'aura pas peur. Vous savez, aussi longtemps que le monde pense qu'il peut t'intimider, il aura le contrôle. Mais le jour où tu décides, je ne serai plus intimidé par le monde. Je ne serai plus intimidé par le langage du monde, par le langage de Goliath. Non, non, non. Mon Dieu est le Dieu du ciel. Mon Sauveur, c'est Jésus-Christ. Il est le Seigneur de tous les seigneurs. Il est le roi de tous les rois. Il est le maire de tous les maires. Aucun homme sur la planète ne peut rien faire contre moi si Dieu ne le permet pas. Aucun homme ne peut rien faire contre nous si Dieu ne le permet pas. Mais mes amis, il y a quand même un devoir pour toi et pour moi d'être au rendez-vous avec Dieu, de monter sur la montagne sainte, d'intercéder avec tout notre cœur, tout notre être, pour obtenir la promesse. Il y a un combat à mener. Allez, il faut que je termine. Ça, c'est mon introduction. Quand elle monte sur l'estrade, c'est mauvais signe que Robert, il faut que tu accélères un peu la cadence là. Ok, finissons avec un texte rapidos en Romains chapitre 1. Vous connaissez au moins le premier verset, peut-être moins le deuxième verset. Juste donne-moi encore trois petites minutes. Ok, merci.
L'apôtre Paul dit aux Romains, dans le chapitre 1, versets 16 et 17, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, dans l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Ce que j'aimerais juste relever rapidement de ce texte, il dit que c'est par l'Évangile est révélé quelque chose. Le mot révélé, ça veut dire d'enlever la couverture, de montrer, d'exposer ou révéler. C'est-à-dire que Dieu, il a l'intention à enlever la couverture des yeux de quelqu'un pour révéler quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il veut révéler? Et il veut le révéler à qui? La Bible nous dit la justice de Dieu. Il veut révéler la justice de Dieu, mais le mot justice ici, c'est le mot dikaiosone. Oui. Il est fort, le pasteur. Ce n'est pas justice dans le sens d'un juge qui, au ciel, qui agit au ciel. Le sens de ce mot ici parle de ce que Dieu fait parmi les hommes. Le fait que Dieu est venu sur la terre pour racheter et pour sauver les hommes. Voilà, c'est-à-dire que spécifiquement par l'Évangile, il est destiné à révéler tout ce que Dieu fait parmi les hommes. Encore une fois, l'Évangile est fait d'une telle manière, la bonne nouvelle, l'Évangile dans le sens global, ce n'est pas juste la Bible, mais la bonne nouvelle est conçue avec une telle puissance. Elle est câblée d'une telle manière pour que ce que Dieu fait parmi les hommes soit révélé. Et comment cette chose est révélée? Je vous donne la phrase en grec. Ek pistis, is pistis. Ça vous parle? Je vois le regard dans les yeux, déjà les gens dorment, je vous ai perdu. Ek pistis, is pistis. Vous voulez essayer? Oh, faites-moi plaisir. Ek pistis, ek ek, ek pistis, is pistis. Ok, pistis, c'est le mot foi. Pistis, c'est le mot foi. Et qui veut dire, comme on a déjà expliqué, Hébreux 11, ok? Ça, c'est la foi. Donc, la conviction, je vois quelque chose qui n'est pas encore manifesté, mais pour moi, c'est une réalité. Je vais démontrer cette croyance, cette foi, cette conviction en agissant en fonction de ce que je vois dans l'esprit, ok? C'est ça, la foi. Ek veut dire de ou depuis. « Is » veut dire « vers » ou « à ». C'est-à-dire « de foi vers la foi ». L'Évangile est fait, est donné, est câblé. Dedans, il y a tout ce qu'il faut pour que l'œuvre de Dieu parmi les hommes soit révélée, exposée, démontrer de la foi à la foi, ou de la foi, ou depuis la foi vers la foi, c'est-à-dire de foi en foi. La phrase de foi en foi veut dire une progression, quelque chose qui démarre vers une éventuelle ligne d'arrivée. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas « je frotte la bouteille du génie une fois, pouf, j'ai tous mes souhaits répandus ». Non, il y a un processus de foi en foi. « Ek pistis, is pistis ». C'est-à-dire que j'ai pistis, j'ai foi, j'ai conviction, j'ai la révélation de quelque chose qui existe dans le cœur de Dieu. Mais après, je suis obligé d'entrer dans un combat. Parce qu'il y a un clash entre le monde et entre le royaume de Dieu. Amen.
où se trouve ma réponse, où se trouve mon miracle, où se trouve l'exaucement de ma prière. Elle est réelle, elle est là, elle existe. Mais là, je vais entrer dans un processus qui est absolument essentiel. Pourquoi c'est important, ce processus, le ec pistis, is pistis? Pourquoi c'est important? Pourquoi Dieu demande à toi et de moi de marcher par la foi? Pourquoi pas, on ne peut juste pas dire au nom de Jésus, pouf, il apparaît. Waouh! Seigneur, si tu guéris simplement tata, tel et tel, waouh, tous les médecins vont se convertir. Tu ne vois pas, Seigneur, que c'est dans ton intérêt, on négocie avec Dieu. Et si la négociation ne marche pas, on essaie de manipuler Dieu. Tu vois, Seigneur, hein, c'est vraiment dans ton intérêt de guérir. Parce que si tu ne guéris pas, je ne croirai plus. Mais si tu guéris, je croirai. Je croirai. Non, ça c'est la manipulation, ça c'est la sorcellerie. Et Dieu n'exauce jamais ce genre de prière. À moins qu'elle soit faite par quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et parfois, par la miséricorde, Dieu exauce. Parce que la personne ne sait pas comment prier autrement. Mais pour toi et moi qui connais Dieu, il y a un processus de foi. Et pourquoi? Parce que le ec pistis, is pistis, Dieu se glorifie, Dieu se manifeste, Dieu se démontre aux autres. Les gens qui nous voient et qui disent, mais les gens sont des fous, ils croient au l'invisible. Et quand l'invisible devient visible, quand tu persévères, tu persévères et tu persévères. Et finalement, la chose est exaucée. C'est pas, tu vois, j'avais bien la foi. C'est pas un badge, c'est pas une étoile que Dieu te donne parce que tu as réussi l'examen. Non, maintenant, tu vas goûter ce qui est vraiment la gloire de Dieu. Quand Dieu se glorifie à travers ta foi et à travers ton obéissance. Est-ce que c'est facile? Non. Si la marche de la foi était facile, tout le monde le ferait. Il y a si peu de chrétiens qui marchent par la foi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile. Il y a une souffrance dedans. Il faut le dire. Mais n'aie pas peur de la souffrance, parce que la gloire qui sera révélée est nettement supérieure à la souffrance temporaire. Amen. Mais aujourd'hui, il faut juste simplement décider. Seigneur, la foi, ce ec pistis, is pistis, de foi en foi, ce processus de marcher, hallelujah, vers la manifestation. Hallelujah. Mais vous savez, et tu peux jouer maintenant, merci. À la fin du chapitre 11, on ne va pas le lire, mais je vous encourage cet après-midi de le lire, parce qu'il faut qu'on prie. La Bible parle de ceux et celles qui n'ont pas reçu ce qui était promis. Ils étaient torturés, sciés en deux. Ils ont souffert la perte. Et puis, il rajoute tout à la fin du chapitre. Mais c'était parce que Dieu, il avait préparé de meilleures choses. Dieu, il avait préparé de meilleures choses. Et la meilleure chose, c'était l'Église du Nouveau Testament, dans ce contexte. Ceux qui allaient accepter l'Évangile à cause du témoignage de ceux et celles qui ont souffert avant. Je ne sais pas ce qui va arriver à la fin avec ce bâtiment. Je connais la promesse de Dieu. C'est juste que je connais absolument le prix de ma rédemption. Et quoi qu'il arrive, je ne serai jamais un perdant. La meilleure chose pour la ville de Saint-Denis sera que la mairie reconnaisse notre droit d'avoir l'exercice du culte dans ce bâtiment en gardant cette adresse. Ce serait la meilleure chose pour la ville. Amen. Il y a une église catholique. Ils ont même donné un terrain sur la rue Landy pour que l'église catholique construise une annexe.
Il y a mosquée derrière. Les salons Wissens, c'est les juifs. Il y a une église luthérienne juste en face à la mairie. Alors pourquoi pas avoir une église évangélique? Amen. On est là depuis 23 ans. Il n'y a aucune raison de nous chasser de notre local. Aucune raison. Mais, alléluia. Si on est obligé de changer d'adresse, il y aura quelque chose d'encore meilleur. Parce que où nous irons, nous serons une bénédiction. Amen. Imaginez le nombre d'âmes qui étaient converties, les gens qui étaient touchés, les mariages guéris, les gens qui ont quitté les drogues, les gens qui ont trouvé vraiment un sens de vie depuis 23 ans, des milliers de gens ici. Nous sommes une source de la bénédiction pour toute la société, pas que pour le corps de Christ. Amen. Donc, est-ce que vous acceptez ce combat? Oui. Soldats de Dieu, oui. Vous serez au rendez-vous. Amen. Et j'espère que par cet exercice, cette semaine, vous allez aussi apprendre quelque chose par rapport à vos combats personnels. Alléluia. Parce que la leçon, ça s'applique à tous les domaines de la vie. Nous avons tous des géants personnels, tous des luttes, tous des promesses. On est tous dans un ec pistis, is pistis, quelque part dans la vie. Amen. Et ce que nous allons vivre ensemble, collectivement, ça s'applique à titre individuellement aussi tout au long de nos vies. Amen. Levez-vous, s'il vous plaît. Si je peux voir les équipiers de prière. Merci pour votre patience ce matin. Alléluia. Je vais faire la clôture très rapidement. Et si vous voulez prier avec un responsable, si vous voulez prier avec un responsable, ne vous en privez pas, il nous reste 20 minutes avant le prochain culte. Donc profitez-en et vraiment recevez ce que Dieu veut vous donner. Hallelujah. Levons tous les mains devant le Seigneur, s'il vous plaît. Père très saint, nous te remercions pour chacune de tes promesses qui sont précieuses à nos yeux, précieuses à ton cœur. Seigneur, nous prions maintenant pour Monsieur le maire. Nous prions pour là où les personnes qui viendront demain après-midi pour visiter le local. Nous connaissons les stratégies de l'ennemi qui cherche à nous décourager, qui cherche à voler ce qui nous appartient. Mais Seigneur, nous prenons notre place et nous disons maintenant qu'aucune stratégie du diable ne pourra jamais prospérer contre nous. Nous déclarons que tu nous as donné ce bâtiment depuis 23 ans, et nous ne laisserons personne, nous ne laisserons qu'une institution nous voler cet endroit. Au nom puissant de Yeshua, le nom de l'Alliance. Nous nous engageons, Seigneur Dieu, dans ce combat. Et il sera un témoignage pour nos frères et sœurs ailleurs. Il sera un témoignage pour les pasteurs qui ont chacun leur lutte aussi pour un local qui sera consacré à ta gloire. Au nom puissant de Jésus, nous prenons notre place de sentier, de soldat. Alléluia. Nous nous tenons fermement sur les murailles et nous ne laisserons passer aucun ennemi de Dieu. Alléluia. Ô Père très saint, donne-nous la force demain, donne-nous la sagesse, donne-nous la connaissance, donne-nous la faveur divine. Remplis ce lieu de ta présence, Seigneur. Touche le cœur de cet homme, cette femme, ces personnes qui sont destinées à venir demain. Et Seigneur, écarte de notre chemin tout un ennemi qui cherche à nous faire du mal. Trouve nos frères et sœurs dans la mairie qui peuvent parler favorablement à notre sujet. Touche leur cœur, Seigneur. Nous réclamons la faveur divine au nom de Jésus, qui est notre héritage. Alléluia. Car il y a encore une œuvre d'évangélisation à faire dans ce quartier. Il y a une œuvre à faire pour les pauvres, pour les démunis. Oh, rekiramashita ramamamaitesa. Oh, alléluia.
Alléluia, alléluia. Et je prie, Seigneur Dieu, pour tout, chacun de mes frères et sœurs ici présents, ceux et celles qui sont dans un combat personnel, qui sont dans une lutte personnelle, et je te demande de venir à leur secours maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que les jougs brisent, alléluia, que tu donnes, que tu rends la force à nos membres au nom de Jésus-Christ. Oh, béni sois-tu, mon Dieu. Glorifie ton nom. Glorifie ton saint nom. Alléluia. Alléluia. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Seigneur, je te demande de faire briller ta face sur ton peuple, de leur donner ta grâce et ta paix tout au long de cette journée, cette semaine. Même dans le combat, Seigneur Dieu, tu rafraîchis, tu donnes du repos au nom puissant de Jésus et pour sa gloire. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Soyez bénis, soyez une bénédiction. Si vous voulez la prière,